championne de France, deuxième marche à je suis trop contente. Mais qu'est-ce que je souffrais. Le dernier tour, ça a été terrible. J'ai fait un deuxième contre la montre. Et je me suis dit, il ne faut pas que je marche. J'avais tellement préparé cette championnat. J'étais venue il y a deux semaines. Et je m'étais fait limiter toute seule. Avec 5 fois la bosse à fond. Donc, je savais que je pouvais la tenir 5 fois. Donc, c'est pour ça que j'ai monté dur à chaque fois. Voilà le classement de ce championnat de France d'âme. Je n'entendais pas, j'ai cru à un moment que c'était vraiment perdu. Minutes, et puis, en fait, je suis sorti sur le plat. Alors, je pensais pas du tout sortir sur le plat, parce qu'on se regardait tous. Ça m'énervait. Catégorie élite. Et puis voilà, après, j'ai fait mon chrono, j'ai fait ma bosse. J'avais, quand j'étais toute seule, elle n'avait pas monté plus vite que moi, parce que c'était un Rago, je sentais mal dans ma roue les deux derniers tours. Élise et puis après, il fallait que je tienne sur le plat. C'était moins long que le retour du chrono. Sixième, Aude Bianic. Septième, Marion Sicot. Huitième, Fanny Leleu. C'est une victoire à l'expérience. Elena Géraud. Oui, c'est sûr que... j'ai sûrement perdu un certain nombre de titres par manque d'expérience quand je suis arrivée tard dans le vélo et en étant trop fougueuse, en attaquant tout le temps, en n'étant pas patiente. Là, à un moment, j'ai cru que c'était perdu, j'ai laissé filer. Et puis, tout s'est renversé à trois tours. À partir de là, j'ai repris espoir et quand j'ai vu que mon dernier tour, elle était vraiment mal dans la bosse, je me suis dit, bon, je tente le tour pour le tour, mais c'était mieux que j'aborde la bosse sans les filles dans ma roue parce que je leur donne le rythme et c'est plus difficile de les décrocher que quand j'ai déjà pris de la marche. Donc, finalement, partir sur le plat, c'était la bonne option. Spécialiste, non, c'est non, pour toi, c'est je suis content, mais franchement, je l'ai préparé cette année. Vous ne pouvez pas savoir. Avec bonnet, lunettes, je voulais vraiment finir sur une bonne note. C'est ma dernière année, je voulais finir en beauté. Allez, merci beaucoup de sacrifice. Ouais, mais au niveau de l'entraînement, jonglais avec le travail. J'ai la chance d'avoir un boulot qui m'accorde de la latitude pour préparer mes JO. Bon, malheureusement, je suis grand plaçant pour les JO, mais ça a payé pour les France. Pas qu'à force. Mondial, partenaire et champion de France et de la Coupe de France PMU. Voilà effectivement donc un remarquable championnat donc, avant de commencer la cérémonie protocolaire alors que notre ami donc, Frédéric Lepape nous donnera le classement dans la catégorie espoir. Donc c'est le champion de France avec même la distance entre 9 minutes et 7 secondes. Deuxième, Marjolaine Bazin, 17 secondes. Troisième, Marie-Claude Morano, à 34 secondes. Allez, s'il vous plaît, allez, on y va là. Allez, allez, sixième, on devient.